À tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'étais en train de me dire, mais je dis comment d'habitude? J'avais perdu le fil. Donc, alors déjà, on va faire. Hop, pour éviter que je me regarde. En fait, c'est l'écran. C'est pas le fait que, comme j'ai dit hier ou avant-hier, ouais, narcissique, tout ça, genre je m'aime. Mais en fait, c'est que, vu que je bouge et que ça bouge dans l'écran, en fait, ça me force à regarder. Enfin, bref. Il est. Franchement, je sais pas si vous pouvez voir. 8h16 exactement. Et j'ai déjà fini ma journée. Je suis levé depuis. Réveillé déjà depuis au moins une heure. Après, je me suis endormi. Je me suis réveillé à 3h. Et depuis 3h, je suis réveillé. Parce que j'ai des projets en tête que je ne peux pas vous parler. Ouais, hier j'ai dit ça avec ma femme. Ma femme me dit. Parce qu'en fait, on regarde les youtubeurs comme tout le monde, et souvent les youtubeurs et les youtubeuses, ouais, j'ai des projets en tête, mais je peux pas vous les dire. J'ai dit, ouais, bah si t'as un projet en tête que tu peux pas le dire, dis pas t'as un projet en tête, dis rien, ferme ta gueule. Ouais, franchement, vidéo commence bien, elle commence bien, tu fermes ta bouche, voilà, et dès que le projet est sorti, tu dis, ouh, c'est sorti! Voilà, enfin bref. Donc, je disais quoi? J'ai fini ma journée parce que donc je me suis... Donc finalement, c'est levé à 5... Ma femme s'est levée à 5h15. Moi, à 5h15, je me suis regardé l'épisode de The Walking Dead que j'avais pas regardé hier. Jusqu'à donc 6h05-10. Après 10, direct, douche. Un truc à 6h du matin, une douche directe. Paf, douche chaude, paf. Je raconte ma life. Et après, donc, tout de suite après, je suis venu dans mon atelier. Alors, j'ai fait mes enveloppes, j'ai fait mes petites cartes, j'ai fait mes commandes. J'ai fait quoi d'autre? J'ai envoyé ma vidéo créa. Donc, comme ça, au moins, c'est sûr, même si elle met 3 jours pour s'uploader, bah, vous l'aurez. Voilà, jeudi soir. Mercredi soir ou jeudi soir? Dites-moi, vous préférez quand? Mercredi soir ou jeudi soir? De toute façon, là, c'est la vidéo de mercredi matin. Donc, vous me dites si vous la voulez ce soir. De toute façon, hein, elle est en train d'uploader. Normalement, même mercredi soir, elle devrait être là. Faut juste que je fasse pas comme hier, que je l'oublie, que je la programme. Parce que hier, j'ai encore oublié. À 21h, quand je me suis couché, je me disais, ah, c'est ta vidéo! Ouais, c'est comme mon vélo. Bah, c'est pareil avec ma vidéo. Et donc, j'ai fait tous mes articles de mon blog. Et je crois que c'est tout ce matin ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc maintenant, je ne sais plus quoi faire. Si, j'ai les classeurs à finir. Voilà, j'ai ces petits classeurs. Alors, je peux vous les montrer. Hein. Donc, vous avez apprécié celui-ci. Donc, j'en ai refait un à peu près dans le même style. Sauf qu'il est un peu... Il est dans le même style. J'ai pas fini en fait, il me reste juste à marquer le C2M stencil. Donc les turquoises, vous aimez bien les turquoises, donc j'en ai fait un autre turquoise. Les papillons aussi, vous avez bien apprécié. Ouais, parce qu'en fait, je fais ce que vous appréciez. Normal, je vais pas vous envoyer un classeur tout noir et dire... Non, je vais pas vendre, surtout un classeur tout noir. Le but, c'est d'avoir une petite marque de créa de moi. Après il y a un vert, mais là il manque vraiment quelque chose dessus, hein. Là ça se voit, il n'est pas du tout fini. Et celui-ci c'est pareil, il y a juste eu des étoiles, donc il faut vraiment que je les finisse. Bah faut que je les... En fait, à vrai dire, donc là il m'en reste un en ligne, je crois que c'est le bleu, il est parti hier, je crois qu'il m'en reste un turquoise. Et à vrai dire, ceux-là, c'est soit je les mets tout de suite en ligne et donc je suis obligé d'en recommander d'autres pour les faire pour ma crop, soit j'attends la crop et en gros, avec un peu de chance pour moi, je les aurais vendus à la crop et donc ça veut dire que je serai obligé d'en racheter après et donc d'en refaire après. Donc en fait, l'un dans l'autre, vous allez me dire, ça revient exactement à la même chose. Voilà. Donc j'ai ça à faire ce matin, entre autres,
J'aimerais, mais l'inconvénient c'est que non, en fait j'ai plus qu'une vidéo, j'ai deux vidéos. Bah, j'ai encore une vidéo à compresser, donc je vais la faire ce matin aussi. Et c'est tout. Créa de moi, il est en avance. Créa de moi, il est en avance. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle. Ah ouais, ça fait déjà 6 minutes que je parle. Bah, un peu moins 6 minutes parce que j'ai attendu une minute avant. J'étais une minute comme ça devant la caméra, comme ça, en train d'attendre. Et je me suis dit, ça serait le moment que tu parles. Voilà. Sinon, vous racontez quoi, vous, ce matin? Alors. Magnifique, super les agrafes et les œillets. Peux-tu me donner le nom de ton encre EasyInk? Elle rend super bien. J'ai pas d'encre EasyInk. Ah, sur ma page, c'était pas des EasyInk. Tout de suite. C'est ça? Je crois que j'ai utilisé sur ma page, c'est les H2O. Alors de toute façon j'utilise ça. Le seul inconvénient c'est que j'en trouve plus. Alors je peux te donner voilà H2O. À l'origine mes crops je les fais avec ça et en fait j'en trouve plus donc voilà je suis obligé de changer de truc. Mais bon c'est pas grave. Sinon alors pouce bleu pour cette bonne humeur et cette bonne mise en train de bon matin. Angélique, bonne journée à toi et à ta famille. Merci, merci pour ta bonne humeur. Moi aussi, je veux une dédicace. Ouais, bah de toute façon, il y en a. C'est un des turquoises là. Si je me rappelle bien, c'est un des turquoises. Je te ferai une dédicace. Déjà, Virginie, la tienne, j'ai fait une petite dédicace pour Virginie. Mais tu verras après. Ouais. Ouais, je fais des petites dédicaces personnalisées, genre le mec, il écrit des bouquins, genre, je le dédicace à quel nom? J'adore te regarder tous les matins avant de partir au boulot, lorsque tes vidéos sortent en retard, je pars triste au boulot, heureusement que tu me mets un peu de gaieté dans ma journée. Bah, je te remercie Christine, comme je l'ai dit, hein, je fais en sorte de transmettre de la bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance que ma vidéo était à l'heure. Hein, je l'ai mis hier et j'ai pas eu de problème. Donc, je sais pas, ma connexion, franchement, à peine des câbles. Petite citrouille qui me dit à quand la FAQ? Bonne journée. Bientôt, à bientôt. Bah, une FAQ, déjà, faut me poser des questions pour avoir une FAQ. J'ai déjà répondu à pas mal de questions sur dimanche, sur ma vidéo de dimanche. Après, si vous avez des questions, posez-moi toutes les questions possibles et inimaginables. Hashtag FAQ créa de moi. Non, je rigole, j'irai pas voir sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram, hashtag FAQ. Sinon, envoyez-moi plein de questions et je vous ferai une FAQ sans souci. Même si je pense avoir répondu à pas mal de questions, hein, vous connaissez ma life quasiment tous les jours, hein, voilà. Ouais, Romain, ferme ta bouche. Vous savez quoi? Attendez. Vas-y, dis-moi ta phrase, s'il te plaît. De quoi ta bouche? Pourquoi? Ta bouche. Tu parles trop. Bon, après avoir passé plus de 20 minutes au téléphone avec SFR, oui parce que je suis chez SFR, pour ma connexion internet, en gros, le gars il m'a tapé du rêve quoi, genre en mode ouais je vais faire une petite manipulation, enfin bref, je pense que il a rien fait de plus à part m'avoir fait perdre mon temps. Sinon, j'ai reçu 3 nouvelles lettres. Pour mon anniversaire, donc une de Vanessa, une de Michel alias Mamimi et une de Nancy.
de Belgique. Voilà, c'est tout. Sinon, il y a quoi manger? Il y a du poulet masala, tikka masala. Franchement, ça donne envie en plus. Regardez. C'est fort? Ça pique? Un petit peu. Non, c'est que j'ai failli m'étouffer. Ah, je te l'avais dit que ça, l'odeur au niveau du nez, ça sentait le piquant. C'est le truc qu'on a acheté chez Nose, il n'y a pas longtemps. Mange! Ouais. Dépêche-toi de manger! Il y a des morceaux, il n'en veut pas. Voilà. Enfin bref, on se retrouve plus tard. Ouais. J'ai rien fait d'autre ce matin en fait, à part être au téléphone et. Si j'ai fait 2-3 trucs sur l'ordinateur, comme je vous avais dit, des montages vidéo et tout ça, mais bon, rien de passionnant pour vous. Voilà. Vous voyez, et j'ai mis l'écran tout de suite, je suis obligé de me regarder en fait, c'est bizarre. Alors que quand je fais ça, je sais que je suis cadré, mais voilà. Allez, je vous dis donc à plus tard. Et c'est qui s'est motivé à faire une page et en... Oh! J'aime pas quand ça fait cric. Et en commencer une deuxième avec le pochoir rouage. Sérieusement, je crois que je l'ai pas utilisé depuis le début que j'ai commencé ma boutique. C'était le pochoir que j'utilisais le plus souvent au tout début. Et ensuite suite, voilà, je m'étais arrêté. J'avais arrêté le pseudo steampunk. Bon, là, on va dire que c'est pas du steampunk hein, que je suis en train de faire. C'est juste histoire de mettre des rouages derrière un truc, derrière une photo. Voilà. Enfin bref, j'ai fait ça. C'est déjà pas mal. Donc ici, non. Je vais faire ça. Hop. Parce que... Ping, ping, ping. Qui c'est qui me parle? Oh là là. On va regarder en live. Alors c'est qui? Vanessa. C'est au sujet de ma crop de novembre. En Auvergne. Auvergne, novembre. Et sinon. Voili voilou. Oh ben ça vibre hein. Je vais me le mettre. Vas-y, continue à me parler. Pourquoi c'est toujours quand on le met là que ça vibre plus? Je rigole. Il était pas là. J'adore ta casquette. Sinon, je t'enverrai bien une carte. Ma casquette Disney, je l'avais achetée à Disney. Hein, ma casquette Mickey. Je fais pas scrap, mais je suis en pot crossing. Donc, je me disais que ça t'intéresserait pas. Je sais pas ce que c'est. Post-crossing. Et laisse tomber le gâteau. Le cadeau. Le gâteau. Non. Mais post-crossing, je sais pas c'est quoi. Donc tu peux m'envoyer. Hein. C'est toujours plaisant d'avoir une carte, comme je t'ai dit. Ou même si c'est du post-crossing, je sais pas ce que c'est en fait. Voilà. J'ai un autre commentaire. Non, créa de moi. Pour pas s'arrêter, on ferait quoi sans tes vidéos? Franchement, moi je kiffe regarder en scrapant, en mode détente et puis en cuisinant comme là actuellement. Je sais que ta fée m'a donné envie de faire mon pain. Ah, donc ta femme, il y a marqué ta fée. Maison, ça fait une semaine que je le fais et la famille se régale. Ouais, franchement, nous aussi, ça fait là, ça va faire au moins 2-3 semaines qu'on le fait nous-mêmes. Et ça déboîte et ça nous fait des économies. Sachant que si vous vous rappelez, j'ai acheté des paquets de farine de 5 kg en Espagne. Hein, je vous avais dit combien? 1,75€. Donc vous comptez hein, 1,75€ pour au moins. Là, elle vient de finir le premier 5 kg. Donc ça fait 2 semaines. Hein. Tranquille, sans compter les gâteaux. Enfin bref, je vais rentrer, je vais monter ça. Donc c'est ma vie et ma page qui est juste là. Tiens, je vais faire une
présentation. Eh, vous savez, en parlant de présentation de page, ce matin, je vous ai dit, j'envoie ma vidéo. Donc, il était, quand je l'ai mis à envoyer, il était 7h du matin. Je vous jure, il y a le gars qui m'a appelé SFR. J'ai dit que ça m'était 20 ans. Il m'a dit, ouais, je fais un truc. Et donc là, il est 15h20. Parce que, ouais, quasiment 20, parce que là, il y a marqué 25, donc il y a la 5 minutes de décalage. Il est 15h20 et elle est à 24%. 24, même pas la moitié. Depuis 7h du matin, ça fait donc 7. 7 et 7, 14, 15h, ça fait 8h30 qu'elle est en train d'être envoyée et elle est à 25%. Moi qui disais, ouais, c'est bon, tranquille, vous allez l'avoir demain, mais sérieusement, franchement, c'est même plus une connexion. Le gars, il m'a dit que j'avais une connexion de merde. Non, il m'a pas dit ça comme ça. Il m'a dit que j'avais 1 giga ou 1 méga, hein, ça doit être 1 giga, en upload. Donc en envoyant, et 2 giga en download. Bah franchement, je vais pas aller chier loin. Ma femme, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ça ira plus vite que tu prennes ton PC, que t'ailles prendre un café à McDo et l'uploader à McDo. Ouais, pour faire de la pub pour McDo, quoi. Que d'attendre que de l'envoyer ici. Voilà, quoi. Franchement, je suis saoulé de ma connexion. Je suis saoulé. Enfin bref, ça m'embête d'arrêter là parce qu'il est que 15h30. Mais à vrai dire, je finis de plus en plus tôt mes journées. Non, vous savez quoi? On se retrouvera plus tard parce que je vais finir sûrement cette page. Là, je vais aller rentrer, je vais commencer à envoyer, à compresser. Ah ben non, en fait, hop, elle est là. Je vais finir ma page avant de partir. Avant de finir mon vlog. J'arrive pas à rentrer. Voilà. C'est comme papa, ton maman. Chut. Pour les enfants. Chut. Non, papa dans maman, ça rentre facilement. C'est comme papa derrière maman. Allez, à plus tard. Et je reprends donc mon appareil. J'ai fini ma page. Donc là, ça me fait donc 2 pages pour Paper and Supplies. Donc aujourd'hui, j'ai une page. Il est 17h, elle est à 50%. Donc je crois que c'est une page pour Paper and Supplies. Non, c'est la page avec mes premiers tests gelato. Donc qui sera en ligne normalement. Vous ne m'avez pas dit. Je ne sais pas encore, vous devez me dire mercredi ou jeudi, voilà. Et et la semaine prochaine, je pense qu'il y aura 3 pages au grand bonheur de tout le monde. Voilà, je vais arrêter là, je me télécommande pour dire au revoir. Je vous dis donc, à demain, n'hésitez pas, commentaires comme d'habitude, ça fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires. Voilà, et... on va finir là-dessus. Ah, faut encore que je change. Parce qu'en fait, j'ai mis truc par empreinte digitale pour déverrouiller. Et en fait, elle prend que la main droite et non la main gauche. Alors qu'on a les mêmes empreintes, mais en parallèle. Et voilà. Et on se quitte là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis donc à demain si tout va bien. Tchou!